Hello à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors je vous retrouve aujourd'hui en ce dimanche. On a fait une grasse matinée ce matin du fait que Gabin est resté chez mes parents hier. On s'est levé à 11h, ça fait trop du bien. Ça faisait très longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Alors je vous reprends assez tard, c'est vrai qu'on est milieu d'après-midi. Bon, ce matin du coup on a dormi. Là en fait je travaille sur mon ordi depuis début d'après-midi pour avancer sur mon projet encore. Donc voilà, comme ça je profite vraiment d'avoir la tête reposée au calme pour pouvoir me concentrer vraiment bien dessus. Donc ça avance et puis alors je regarde Baby Boom en même temps. Ça fait super longtemps que j'ai pas regardé cette émission. En fait je voulais pas la regarder quand j'étais enceinte parce que j'avais peur d'avoir peur de l'accouchement. Je voulais pas regarder avant de tomber enceinte parce que avant ben, je me posais, j'avais tellement envie d'être enceinte que ça me faisait mal au cœur de voir des mamans comme ça accoucher. Je me disais ça m'arrivera jamais, etc. Bref, du coup ça fait très longtemps que j'ai pas regardé. Et j'ai été choquée parce qu'il y a eu un passage, une femme qui a accouché sur le trottoir devant la maternité. Elle a même pas eu le temps de monter les escaliers pour aller à la maternité qu'elle a accouché, devant quoi. Enfin, waouh, c'est ouf quoi. Quand je pense que moi j'ai attendu 3 jours pour accoucher, j'ai mis 3 jours à accoucher. Elle, même pas le temps d'arriver à la maternité, hop. Voilà, donc c'est un peu choquant, mais comme quoi c'est des choses qui arrivent. Et bon, c'était pas son premier enfant, c'est peut-être pour ça aussi souvent, voilà, quand il y a déjà eu des accouchements avant, on accouche plus vite pour les enfants suivants. Donc mais c'est pas mal de regarder ça, ça me rappelle des souvenirs. J'espère que ça m'arrivera peut-être une deuxième fois quand même. Bon, on a retrouvé bébé Gabin qui joue. Hein? Et Gabin. Et futur musicien. Alors ça, c'est un piano que j'avais chez mes grands-parents quand j'étais petite. On met pas sur une télé. Je peux les regarder. Voilà. Maintenant, c'est Gabin qui joue avec. Papy est le roi. Le roi des papys. Je vous reprends dans la soirée. Je vous reprends dans la soirée. Donc cet après-midi, nous étions dans la famille pour l'anniversaire de mon grand-père. Voilà, donc 84 ans, il me semble. Et donc là, on vient de regarder un épisode de Walking Dead. Et pourtant j'ai un petit cœur, mais j'adore cette série. Et on voulait vous remercier beaucoup pour tous vos retours sur notre vidéo qu'on a fait à deux. Enfin, il y a deux vidéos, il y en a une sur ma chaîne et une sur la chaîne de Greg. D'ailleurs la chaîne de Greg est dans ma barre d'infos. Vous êtes beaucoup à me demander, mais je crois que je l'ai mise dans ma barre d'infos. Si c'est pas fait, je vais le faire là maintenant. Et du coup, ben, on a des idées pour les prochaines vidéos. Hein? Ça sera un défi la prochaine fois. Sûrement un défi, ouais. Donc, mais pour toi. Il va mettre au défi, j'en ai peur. On va essayer de tourner ça cette semaine. Ce serait pas mal de faire genre une vidéo challenge comme ça par semaine. Si on arrive à s'y tenir, on va essayer de faire un challenge par semaine avec vos idées de vidéos. Parce qu'on a vu que ça vous a plu et nous ça nous a plu aussi. Voilà, Greg est de plus en plus à l'aise à la caméra. Hein. Donc voilà, c'est cool. Alors je vous ai pas montré du coup, c'est vrai que le salon, j'ai fait une photo Instagram du salon avec la nouvelle déco. Enfin, on a changé un petit peu de place du fait que j'ai offert ce cactus à Noël à Greg. Du coup il a trouvé sa place ici dans le salon. Voilà, donc Greg a installé en fait une lumière ici en bas. Tu l'allumes pour montrer ton installation. Ouais, ça tue. C'est vrai que voilà, on aime bien les petites ambiances avec les lumières, etc. Donc il a installé, c'est adhésif. Voilà, c'est un truc adhésif, on a eu ça chez Jiffy. Hein. Ça fait un moment. Ça fait mettre
Il y a 5 mètres en fait, c'est un fil de 5 mètres. Sur ce secteur avec un bloc d'arrivée. Ah ouais, du coup, c'est. Hop! Elle fait tout ça là, bon là forcément, hein, une maison de parents qui ont des enfants, forcément, ça peut pas être parfait. Hein. Souvent vous me dites comment je fais pour avoir une maison parfaite, mais en fait il y a toujours des trucs qui traînent, des jouets, voilà. Ça traîne pas, c'est rangé. C'est rangé ici en fait, voilà. C'est clair que ça fait pas, ça tue un peu la déco, mais c'est pas grave, on a toujours besoin de ça à proximité. Et donc l'interrupteur, il est caché là, derrière ta main, avec ton yaourt derrière, hein. Voilà, et comme vous pouvez le constater, on a toujours les décos de Noël qui sont installés. On n'a pas envie de les retirer pour l'instant, donc on les garde encore un petit peu. Voilà, on verra ça. Bon, il est l'heure d'éteindre les lumières quand même. Ça, c'est génial. Tout est par télécommande. Hop. Et le reste est planqué ici. Bonne nuit. Et là, pour la nuit, je laisse allumer cette étoile. Enfin, ce flocon de neige plutôt. Hop, donc celui-là, il marche sur pile et je laisse allumer uniquement la nuit. Et celle-ci, de temps en temps aussi, à la montée d'escalier. Hop. Donc ça c'est sur pile aussi, les boîtiers là. Donc on vous a pas montré, mais entre temps on a eu des bougies à télécommande. Donc celles-ci elles viennent de chez Action. Et bah, du coup c'est vrai que c'est ce qu'on cherchait. Mais celles-ci du coup elles sont lumineuses et colorées. Tu fais joujou. Trop belle. Donc je remercie ma marraine, mes cousines, parce que c'est eux qui nous les ont trouvées. Et c'est exactement ce qu'on cherchait. Donc voilà, on adore l'ambiance. Et au niveau de la flamme, c'est quoi? Ouais, c'est. Là, ça fait comme s'il y a une flamme. Ah oui, ça. C'est... Ouais. Après, moi, je suis pas trop couleur. Toi, t'aimes bien les couleurs? La bleue, j'aime bien. Moi, je préfère genre quand c'est blanc. Oui, voilà, genre ça, j'aime bien. Parce qu'après, trop de couleurs, ça fait discothèque. Rose. Et toi, mon chien, qu'est-ce que t'en penses? Violet. Toi, tu t'en fous. Bien hein. Violet, c'est beau. Ouais, ça crée une ambiance. Et toi, c'est quoi ta couleur préférée? Mon petit chien, c'est quoi ta couleur préférée? Mon chien. Tu vas me craquer mes collants encore. Bon, du coup, je vais vous laisser là. Je voulais juste vous dire que j'ai réussi à faire un article de blog que vous attendez depuis très longtemps sur la diversification alimentaire de Gavin, comment ça s'est passé, etc. Mes conseils, voilà, enfin mon expérience sur la diversification alimentaire. Donc, je pense le mettre en ligne début de semaine ou peut-être mercredi. Quoique, non, mercredi c'est les soldes. Donc, peut-être qu'il sera en ligne quand je ferai cette vidéo. Si c'est ça, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Mais normalement, il est complet. J'ai réussi à faire pas mal de paragraphes. Notamment, même je vous présente aussi la station Badabu avec laquelle je fais les purées, etc. Donc voilà, normalement ça devrait être cool. Donc je sais pas encore, mais je pense que je vais le publier 10 avant les soldes. Donc je pense que ça va être certainement lundi soir, donc ce soir en même temps que la sortie de ce vlog. Voilà, donc sur ce, eh bien je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.